Alors, salut, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une plateforme sur laquelle vous pouvez aller acheter des NFT, puisque vous-même, vous savez, les NFT sont à vogue et il est temps quand même que vous-même, vous puissiez profiter des NFT. Et ce qui est intéressant avec les NFT aujourd'hui, vous-même, vous avez la possibilité de pouvoir créer vous-même votre propre NFT et de venir sur cette plateforme pour pouvoir la vendre. Alors, si vous ne me connaissez pas, que c'est pour la première fois que vous venez sur ma chaîne YouTube, moi je suis Ricardo Dossou, je suis un crypto trader. Au travers de ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, les opportunités qui ont rapport avec les crypto-monnaies, avec le gain de l'argent en ligne, tout et tout. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous allons faire sortir mon nouvelle vidéo, vous puissiez être la toute première personne à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Et aussi, n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien de notre forum Telegram. Pensez à rejoindre ce forum pour que nous puissions parler de 100% crypto sur ce forum-là. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors ici, la plateforme que je m'en vais vous présenter, vous le voyez déjà, cette plateforme a pour nom OpenSea. Alors OpenSea, c'est la plus grande plateforme, hein, l'une des plus grandes plateformes, mais la première grande plateforme sur laquelle vous pouvez aller acheter soit des NFT, soit créer vous-même vos propres NFT et venir la revendre ici. Donc ici, vous avez également la possibilité de créer directement. Alors déjà, il faut savoir que lorsque vous venez sur la plateforme, elle se présente comme ceci. Vous voyez, vous allez voir les NFT qui sont là. Vous les voyez. Les NFT sont là. Je vais défiler un peu pour que vous puissiez bien voir avec moi. Donc, vous voyez un peu, vous voyez un peu, vous voyez, voilà comment se présente la plateforme. Comment, une fois sur ça, vous allez voir comment elle se présente vous-même de votre côté. Donc, je défile juste pour vous pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez des collections, par exemple les CryptoPunks, elles ont fait plus de 200%. Vous allez au niveau de Epic Kids Club, donc AKC, plus de 400%. Lorsque vous allez au niveau de Sandbox, c'est moins de 55%. Lorsque vous allez au niveau de Visa Dragon, vous allez voir, c'est moins de 10%. Lorsque vous allez au niveau de Super Rare, c'est plus de 2600%. Vous voyez? Et regardez ceux qui ont eu à acheter ces NFT-là dans le temps. Vous voyez, il faut imaginer à combien, lorsqu'ils vont vouloir revendre, combien ils vont revendre cela. Lorsque vous cliquez sur ça, par exemple, vous allez voir. Mais moi, je ne veux pas cliquer, je vais juste vous montrer comment se présente la plateforme. Alors ici, lorsque vous venez, vous avez deux possibilités, soit explorer pour voir les bonnes opportunités qui se présentent. Donc, vous allez cliquer là. Ou soit, si vous êtes un créateur, un artiste, et vous êtes vraiment expérimenté, vous pouvez venir là, ici, et venir vous cliquer sur créer. Alors, lorsque vous cliquez sur créer, vous pouvez vous-même en créer vos propres œuvres, n'importe quoi, en tout cas, que vous pouvez créer et venir déposer ça sur la plateforme. Par contre, il faut savoir que lorsque vous créez cela, soit vous déposez ça sur la plateforme et vous utilisez la blockchain de l'Ethereum. Si c'est la blockchain de l'Ethereum que vous utilisez, il faut savoir que les frais pour pouvoir déposer ça sur la plateforme, ça va vous coûter énormément d'argent. Vous voyez? Et vous avez la possibilité d'utiliser Polygon. Il y a également Polygon que vous pouvez utiliser. Les frais sont un peu moindres là. Donc, vous pouvez également utiliser Polygon lorsque vous voulez recharger votre création sur la plateforme. Alors, en dehors de ça, pour pouvoir explorer, si j'appuie ici, par exemple, vous allez voir, voilà ce que ça présente.
Alors, j'appuie sur Explorer. Mais avant, il faut savoir que lorsque vous venez, vous voulez acheter des NFT, vous devez connecter, vous devez cliquer ici par exemple et connecter votre compte MetaMask. Donc, il faut être connecté. Ce que moi je vais vous recommander, c'est de vous connecter à un ordinateur pour pouvoir bien voir les choses et le faire de façon limpide et bien. Vous comprenez? Donc, vous connectez votre compte MetaMask là-dessus pour pouvoir être connecté là. Vous allez pouvoir facilement recharger soit les Ethereum ou bien votre polychromatique au cas où vous voulez acheter des projets ici, des NFT ici ou bien vous voulez recharger le vôtre vous-même. Alors en dehors de ça, j'appuie par exemple sur Explorer, vous allez voir, j'appuie sur New. Donc ici, si j'appuie sur All NFT, nous allons voir tout. Mais ici, moi, je vais appuyer sur New et nous allons voir ce qu'ils ont eu à présenter tout récemment sur la plateforme. Donc, les créateurs, ce qu'ils ont affiché sur la plateforme tout récemment. Donc, vous voyez ce qui se passe ici. Vous allez voir à côté le prix. Vous voyez un peu avec moi, le prix, c'est ça qui s'affiche ici. 0,07 Ethereum. Vous voyez, donc si vous voulez l'acheter, il faut prévoir cela sans oublier les frais de gaz. Vous comprenez un peu? Alors, vous allez voir pas mal d'objets ici. Et là, ce sont des personnes qui ont créé leurs choses, tout simplement. Donc, vous-même, vous pouvez le faire sans aucun problème. Pour créer des NFT, ce n'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Si vous avez même déjà une image de vous-même ou bien une image libre de droit, vous-même, vous savez que c'est pour vous ou bien... En tout cas, vous-même, vous pouvez déjà, avec votre image, venir ici, poster et remplir les conditions et pouvoir peut-être espérer que quelqu'un vienne acheter quelque chose chez vous. Puisque au niveau des NFT... vraiment, ce que moi je ne comprends pas, c'est des choses. Hein. Par exemple, je vais vous montrer, voici, je peux trouver des images, excusez-moi du peu, bizarres, hein, qui valent des centaines hein, de ETH, bien 2 millions. C'est ça que moi je ne comprends pas, le goût des gens. Bon, chacun, le goût est relatif et aussi lorsque l'image est significative. Ça parle aussi. Regardez ceci par exemple. Regardez ceci. Hein? Regardez. Vous voyez? Vous voyez? 0,145 ETH. Maintenant, le jour ou bien la date qu'ils lui ont donnée est déjà passée. Hein? Mais il n'a pas vendu. Il n'a pas vendu son objet. Ici, nous allons voir si d'autres images vont se. Télécharger, alors nous allons voir encore. Ici, par exemple, personnellement, je ne comprends pas. En tout cas, ils ont leur. Ah là, ok, ici, ça, c'est un nom de domaine, je vois. C'est un nom de domaine, c'est un nom de domaine. Vous voyez déjà? C'est un nom de domaine, je vais entourer ça pour vous, vous allez voir ceci, je parle de ceci. Funny. Funny guy, voilà, funny guy. Vous voyez, c'est un nom de domaine. Donc, quelqu'un qui va vouloir acheter, regardez le montant. Regardez-moi ce montant-là. C'est pas possible. Regardez les amis, le montant. 420 et ETH. 420, 420, 420. Il y a même eu un schéma. Vous voyez ça? Donc, il faut faire le calcul. Il faut faire le calcul pour voir. Vous voyez ce que je disais tantôt. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous positionner pour pouvoir vous faire de l'argent, puisque c'est le business qu'il faut voir. Il ne faut pas voir est-ce que j'aime ça, j'aime si non. Il faut voir le business qui est derrière. Et lorsque c'est bon, vous venez, vous allez pouvoir acheter vos choses. Et faire vos bénéfices là-dessus. Ici, nous avons le pape François. En tout cas, ce sont les nouveautés. Hein. Attendez, je vais faire un tour ici. Nous allons voir si on peut. Je reviens ici. All NFT.
Donc, peu importe si vous avez si vous êtes un artiste ou bien un compositeur, vous pouvez également venir déposer votre œuvre ici. Vous voyez, soit en vidéo, soit en audio. En tout cas, c'est une ouverture à tout le monde. Donc, tout le monde peut profiter de ça. Regardez ceci par exemple. En tout cas, le délai qu'ils ont donné également est déjà passé. Ils n'ont pas pu vendre. Et voilà comment les choses se passent ici. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez vous pencher pour pouvoir vous faire de l'argent. Maintenant, ce que moi je peux vous conseiller, c'est de ne pas venir ici pour acheter, non. Il faut voir les projets qui proposent des NFT. Vous voyez, vous les guettez. Et lorsque vous les guettez, que c'est listé sur OpenSea, vous venez rapidement, suivez, et vous allez pouvoir acheter les NFT qu'ils vont mettre en place ou bien en circulation. Vous allez pouvoir acheter le vôtre. Mais ne venez pas simplement pour acheter pour un artiste quelconque parce que vous aurez du mal après pour pouvoir revendre. Maintenant, si c'est un artiste qui est reconnu mondialement, vous pouvez aller sur sa marketplace, voir ce qu'il propose et faire vos achats. Je pense que là aussi, vous allez pouvoir revendre parce que les gens le connaissent tout et tout. C'est comme ça que vous pourrez vous faire de l'argent dans le monde des NFT, les amis. Donc voilà, les amis, ce que j'ai voulu partager avec vous. Vraiment, ce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous-même, vous avez déjà une idée sur le fonctionnement de la plateforme OpenSea et que vous-même, vous pouvez déjà aller là-dessus. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo pour que vous fassiez un tour là-dessus pour ne serait-ce que checker, visiter, voir ce qui se passe là. Et quitte à vous maintenant, si vous avez la possibilité d'en acheter, de dénicher un bon projet ici et acheter. Voilà les amis. Donc je ne vais pas être trop long dans la vidéo. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo autour de vous puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas encore les NFT, tout ce qui a rapport avec ça. Ils entendent parler, mais comment eux peuvent aller acheter, ils ne connaissent pas encore. Donc vous pouvez leur montrer cette vidéo, ils vont pouvoir l'acheter ou soit créer eux-mêmes leur propre NFT sans aucun problème. Déjà, si vous cliquez sur Create, vous-même, vous pouvez suivre les indications pour pouvoir créer votre propre NFT. Il suffit juste de télécharger votre œuvre que vous avez enregistrée soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, si c'est le téléphone que vous utilisez, pour pouvoir le faire. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez au maximum. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt, les amis. Bye. Ciao, ciao.